Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un dessert. Ça va être une tarte fine aux pommes que l'on va cuire sur notre toile de cuisson, sur notre petite pâte. Donc, alors je voulais vous montrer parce qu'on m'a demandé si je coupais sur ma table. Et non, je coupe donc sur ma planche à découper qui est grande, qui est longue, qui est fine et qui est très sympa. Alors, l'économe, je crois que je vous l'ai déjà montré. Il est très très chouette. Il nous fait des peaux fines. J'épluche mes poivrons, j'épluche mon potiron, je peux éplucher tout ce que je veux avec, c'est vraiment sympa. Si vous voulez faire des décos de plats avec des tomates bien fermes, vous pouvez carrément faire des petites fleurs. Très facile, hein. Il suffit d'entourer votre pot et vous avez des petites fleurs pour décorer un plat. Donc là, les pommes. Voilà, maintenant je vais me servir de mon coupe-pomme. Alors, on commence sans le socle. Ça va tout seul. Et nous n'allons pas jusqu'au bout pour pouvoir se mettre les traits face à face. Et voilà, c'est tout simple. Donc voilà, je vais mettre ma pâte feuilletée dessus. Je vais y mettre mes pommes en rosace. Donc vous avez vu, hein, il coupe en 16 parties. Il est vraiment très chouette. Dans le commerce, on trouve en 8 ou en 12, mais là, il est carrément en 16. Et ça vous permet, bon là, il y a eu des grosses coupures, donc j'ai un peu coupé en deux. Mais la majorité des pommes sont prêtes à l'emploi. Même pas besoin de les couper. C'est pratique, ça, j'en ai tenu deux. Donc voilà, j'ai mis 4 pommes, hein, 4 pommes moyennes. Je vais mettre du sucre pour un petit peu la caraméliser. Je vais mettre du beurre et je vais remettre du sucre d'ici une dizaine de minutes. Elle doit cuire à peu près en 30 minutes, donc je vais à chaque fois remettre un peu de sucre et de beurre. Voilà.